Salut les sucrés, j'espère que vous allez bien. Et pour cette semaine, on va se faire un petit classique de la pâtisserie. On s'attaque au Royal Chocolat. Pour cette recette, je ne viens pas faire une mousse au chocolat classique via une pâte à bombe et de la crème liquide. On va plus partir sur une mousse au chocolat sur base de crème anglaise. On y va pour la recette. Le chocolat, on va se réaliser un crémeux chocolat pour la mousse, puis on fera notre biscuit succès, on passera au montage en étalant notre praliné feuilletine sur le biscuit, puis en finissant la mousse, on mettra le tout à bloquer au surgélateur, puis on passera à la décoration. Pour notre recette, on va avoir besoin de lait, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de chocolat 70% origine Saint-Domingue, d'un tout petit peu de gélatine et de crème liquide. Pour réaliser notre mousse au chocolat, on va partir sur une base de crémeux qu'on va additionner avec de la crème liquide. Donc pour réaliser notre crémeux, on va utiliser notre lait qu'on va faire chauffer et on va blanchir les jaunes avec le sucre. On réalisera une anglaise qu'on va cuire à 83, puis une fois que le tout sera cuit, on versera sur le chocolat avec la gélatine réhydratée. On va bien mélanger, puis réserver au frigo. Une fois que le mélange aura atteint environ 33 degrés, on va ajouter notre crème montée petit à petit pour réaliser notre mousse. Notre crémeux refroidit tranquillement au frigo. On va passer au biscuit succès. Pour réaliser notre biscuit succès, on va monter les blancs qu'on va serrer avec le sucre semoule. On va tamiser la poudre d'amande avec le sucre glace et la fécule ensemble. On va venir les ajouter petit à petit au blanc serré. Puis on va dresser le tout sur plaque. On cuira à 170 pour environ 15 à 20 minutes. Notre biscuit est cuit, on va maintenant monter la crème pour finir notre mousse au chocolat, puis on passera au montage. Pour cette recette, j'utilise direct praliné feuilletine que j'ai acheté sur internet, donc vous pouvez vraiment trouver à tout prix et surtout en petit conditionnement. Je vous mettrai une petite recette si vous voulez vous le faire vous-même. Après, je sais que pour beaucoup, c'est pas forcément évident d'avoir toutes les matières premières chez soi pour faire son vrai croustillant. Donc, j'ai préféré vous mettre un petit lien pour que vous ayez plus de facilité à faire de la pâtisserie. On passe au montage.
Notre recette est maintenant finie. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux via Twitter et Instagram. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette.